Ja, dus de annalen van het museum dateren van 1898 al. Dus dan is het eerste volume uitgegeven en dat wijst erop dat het museum vanaf de start eigenlijk al en museum was en wetenschappelijke instelling. De eerste volumes werden uitgegeven in de zoologie. Dus dat ging over vissen. Dat was iemand van het British Museum die daarvoor verantwoordelijk was. En andere volumes, bijvoorbeeld in de etnografie, die zijn uitgegeven door mensen van het museum zelf. Het eerste volume in etnografie bijvoorbeeld dateert van 1899 en handelde over voeding. En dan tussen 1902 en 1907 zijn er nog drie volumes verschenen over kunst, religie en keramiek. Dat waren dus mensen die in dienst waren van de onafhankelijke Congo-staat die die boeken geschreven hebben. Die eerste volumes binnen de etnografie waren sterk beïnvloed door het evolutionisme en diffusionisme. Antropologische theorieën die heel veel in zwang waren eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Die ideeën zijn vandaag verlaten, maar die boeken geven toch nog een heel goed zicht van hoe dat men 100 jaar geleden naar Afrika keek. En dat is heel interessant voor hedendaags onderzoek nog. Die boeken zijn dan ook internationaal verspreid. Dus die boeken werden uitgewisseld met andere musea, universiteiten en sociëteits. En de annalen van het museum waren bekend voor hun onderzoek, maar ook vooral voor hun illustraties. Dus de illustraties, de lithodrukken achteraan, zijn in kleur en dat was toch zeer uitzonderlijk voor die tijd. Le Musée royal de l'Afrique centrale est une institution actuellement presque unique au monde au vu de la diversité des disciplines qu'il englobe, à la fois les disciplines des sciences naturelles, dites aussi sciences exactes, et les disciplines des sciences humaines. À part cet aspect, il y a aussi le fait que le Musée royal de l'Afrique centrale avait longtemps et jusqu'à présent encore porté profondément sur le Congo. Et je peux dire, sans crainte de me contredire, qu'au monde, il n'y a pas deux institutions qui connaissent mieux le Congo que le Musée royal de l'Afrique centrale. Les nombreuses compétences que l'on trouve au Musée royal de l'Afrique centrale nécessitent néanmoins d'être associées aux compétences locales au Congo, car n'oublions pas que les données rassemblées au Musée royal de l'Afrique centrale ont généralement une même source, la source coloniale, la source européenne. Aujourd'hui, il s'avère nécessaire qu'on ajoute les informations venant des acteurs vivant les événements sur le terrain. Pour cela, à partir de 2006, suite à la décision prise par la République du Congo avec la promulgation de sa nouvelle constitution, de recréer, de redémarrer la décentralisation en créant 26 nouvelles provinces, il s'est avéré nécessaire d'associer les connaissances, les compétences, la quantité de données qui se trouvent au Musée royal de l'Afrique centrale avec les connaissances qui sont au Congo, malheureusement des connaissances de plus en plus, au moins, qui reste de plus en plus oral. Donc, dans le cadre du projet Province, il y a des équipes dans les 26 provinces, à créer, qui, en contact, en relation avec le Musée royal de l'Afrique centrale, conduisent à la rédaction d'une série de travaux qu'on appelle les monographies de Province. À l'instant, sept monographies sont déjà achevées et des volumes sur la décentralisation, c'est-à-dire qui portent sur les réflexions générales, sont déjà terminés et publiés par le Musée royal de l'Afrique centrale. Een van onze hoofdactiviteiten is het beschrijven van de biodiversiteit in Afrika, de verscheidenheid aan planten en dieren die men daar vindt. Daarvoor worden zendingen georganiseerd naar Afrika en wij brengen dat materiaal terug naar het museum hier. Dat is zo sinds het begin van het ontstaan van dit museum. Eind 19e eeuw, begin 20e eeuw werden grote expedities georganiseerd en werd er massamateriaal teruggebracht, waaronder veel nieuwe soorten voor de wetenschap. Deze soorten werden dan beschreven en tot op vandaag hebben wij twee referentiepunten daarvoor. Dat is het origineel materiaal, wat men noemt het typemateriaal,
en de originele beschrijving. Dikwijls werden deze beschrijvingen dan ook gepubliceerd in de tijdschriften, in de annalen van ons museum. En men kan zien dat vooral in de beginjaren van de 20e eeuw er enorm vele publicaties verschenen die uitsluitend nieuwe soortbeschrijvingen hadden. Als men vandaag een nieuwe soort vindt, dan moet men teruggrijpen naar die originele bronnen, het type materiaal of de originele beschrijving, om te kijken of wat men vandaag vindt verwant is, dan wel verschillend van wat men toen vond. En dikwijls is het type materiaal verdwenen door ongelukken, door brand of andere problemen en heeft men enkel alleen op de originele beschrijving om op terug te vallen. Vandaar dat die originele beschrijvingen zo belangrijk zijn voor ons in ons wetenschappelijk werk. Dans les universités ou les écoles africaines, il y a un manque cruel de publications, un manque cruel de pouvoir consulter ces publications. Or, elles sont absolument nécessaires pour pouvoir faire évoluer la science, pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice scientifique. Donc, le musée, lui, essaye, par un programme notamment soutenu par la coopération au développement, de pouvoir déposer dans les bibliothèques des universités, des facultés, dans les médiathèques, toute une série de collections, toute une sélection de notre fonds qui correspond au centre d'intérêt de ces bibliothèques ou de ces universités. Une autre chose, évidemment, pour améliorer cette diffusion des connaissances, c'est la voie digitale, la voie en ligne. Alors le musée, depuis quelque temps déjà, a certaines de ses séries éditoriales qui sont uniquement disponibles gratuitement, totalement téléchargeables, imprimables, etc., sur son site internet. Nous avons des séries de collections, de livres, de documents en sciences humaines, en zoologie et en géologie. Mais évidemment aussi, parce que nos chercheurs sont du plus haut niveau international, ils doivent publier dans les plus prestigieuses revues internationales qui sont de plus en plus disponibles en ligne selon des critères académiques très stricts, et c'est ce qu'on appelle les voies de l'open access. Et donc, bien entendu, nos chercheurs publient dans ces revues, par exemple celle du groupe Elsevier, mais du coup, nos propres institutions scientifiques, publiques, fédérales dans le cas de la Belgique, sont en train également de transformer leurs publications qui étaient en version uniquement papier en version également uniquement en ligne. Et par exemple, notre revue de zoologie, nous l'avons fusionnée dans une nouvelle revue uniquement disponible en ligne, en open access, qui est née au sein d'un consortium européen. Donc avec des instituts scientifiques de Paris, de Londres, de Copenhague, avec nos confrères du Muséum des sciences naturelles de Bruxelles et du Jardin botanique de Metz, nous avons créé une nouvelle revue open access. L'avantage de cette revue, c'est qu'elle est une expérience pilote. D'habitude, quand on publie dans une revue en open access, il y a toujours un des pôles qui est payant, soit le pôle de l'auteur, de la rédaction, soit le pôle du lecteur, de la consultation. Mais dans ce cas pilote de notre expérience, nous avons décidé que nous allions, en tant qu'institution publique, rendre la science aux citoyens gratuitement. Donc c'est sur nos fonds propres que nous investissons pour publier tous ces textes en zoologie et plus précisément en taxonomie. Donc nous sommes vraiment dans l'ère digitale, dans l'ère du 21e siècle, et c'est un des défis majeurs de notre institution, c'est s'ancrer dans ces nouvelles perspectives pour toujours aller le plus loin possible dans cette diffusion des connaissances qui est une de ses missions principales.